Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, vous embarquez avec moi aujourd'hui pour la journée, sûrement demain aussi, pour le week-end finalement. Cette semaine, j'ai eu plein de rendez-vous, des trucs pas intéressants pour vous. Donc c'était assez inutile et puis voilà. Et là aujourd'hui en fait, on a décidé de passer la journée en Espagne, là où on va d'habitude en fait faire les boutiques et tout quand il fait pas très beau. Et là c'est totalement le cas, c'est un vrai temps d'automne aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc là je vais me maquiller, je crois que je vais poser la caméra pour que vous puissiez voir en accéléré. Ça peut être sympa, je le fais pas très souvent, mais je sais que quand je l'avais fait vous avez bien aimé, donc je vais le refaire. Mon petit serre-tête. J'ai plein de petits cheveux. En fait, vous savez, je vous ai dit que j'avais les problèmes capillaires, j'ai des trous. Je rigole, mais vraiment, c'est pas rigolo. Et bien, en fait, j'ai plein de petits cheveux de repousse là. On en a tous, hein. Mais là, je vous jure que j'en ai beaucoup plus que d'habitude parce que vraiment, ils sont tombés, quoi. Enfin, bref. Ça, c'est un nouveau fond de teint que j'ai acheté à Sephora, là. Il n'y a pas longtemps. C'est le Ultra HD en stick de Make Up For Ever. Il est trop bien. Il est vraiment, vraiment sympa. Du coup, j'aime bien l'utiliser en ce moment, surtout pour les matins pressants, entre guillemets, parce que c'est trop facile à... Vous voyez, vous avez juste à faire des petits ronds sur le visage et à estomper au Beauty Blender, ça se tombe facilement. Rendu naturel, tout ça, tout ça. Je vous en reparlerai plus officiellement, mais il est vraiment sympa. J'ai encore un petit bouton, là. On est plein, là, j'ai eu une grosse poussée, là. J'en ai un autre, là. Alors, j'ai les cheveux qui tombent. J'ai la peau, c'est à des bandades. J'ai les ongles qui cassent parce que celui-là, le pouce complètement cassé. Celui-là aussi, j'ai dû tous les couper pour que ce soit au même niveau. Donc là, je vous avoue qu'entre les cheveux, les ongles et la peau, c'est pas du tout habituel chez moi. Donc ça me fait plus rire. Je suis allée voir le médecin et on va faire prise de sang pour voir. Parce que bon, des fois, ça doit être une carence peut-être en fer, un truc comme ça. Anastasie et Javotte. Non mais elles ont sauté, Carrie, elle a sauté contre la vitre. Vous croyez qu'il y a de l'espoir pour elle? Je crois pas, non. Elle s'est foutue. Donc là on s'en va, donc on monte vite fait, vraiment rien d'exceptionnel. J'ai privilégié le confort parce qu'en général on essaye plein de trucs et vaut mieux pas avoir 10 000 accessoires. J'ai pris ce. Alors ce pull, il est génial. Il est hyper hyper loose, il est trop trop bien. Il vient de chez Zara et là j'aimerais trop me l'acheter en un autre coloris parce qu'il est vraiment hyper hyper confortable. Et après j'ai toujours mon jean Zara que j'adore. Je suis tout en Zara, je m'en rends compte. C'est des petits mocassins, regardez. Comme ça avec des petites perles. J'aime trop, je les adore. C'est Mounette qui les avait à la base et je les aimais tellement que je me les suis commandé pour moi. Et voilà, et j'ai toujours mon petit sac Stradivarius que j'aime trop. Donc on est bien arrivé, ça y est, on a bravé la pluie, les camions et tout, la route de l'enfer. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les vlogs de l'année dernière, vous y avez amené. Donc là, on va passer à la table. La route de l'enfer. La route de l'enfer, c'est pareil. Donc on s'est pris des tapas du coup. Moi j'ai pris ma petite croquettas parce que j'aime trop ça. Un petit sandwich, petit surimi, et en fait il y en a autant de l'autre côté. Là on a une tortilla surimi. J'aime beaucoup beaucoup cette robe, elle est pas chère, elle a 25 €, mais elle est hyper hyper belle. Vous avez le dos ouvert comme ça, sauf qu'il y a que XS, M et L, et forcément j'aimerais le S. Et ça c'est la boutique Hank Moller dont je vous parle et que je vous dis à chaque fois ça ressemble à Victoria's Secret. C'est exactement la même chose quoi, ça me fait halluciner. Regardez, c'est trop joli cette collection là. On va voir le nouvel iPhone. C'est le 10 ouais. Le 10, ils l'ont dans un magasin, donc on va juste le voir pour voir à quoi il ressemble. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Regardez à côté du mien. Bon, ok, il y a l'écran qui. Mais en fait, il est plus grand le plus. Hein. On peut faire le fou en face caméra, genre celle-ci. Vous voyez? Non, mais là, on voit pas trop. Dommage, si on fait le focus là, le derrière est flou. C'est quand même super cher. Il m'énervait à côté, il faisait que me parler, mais en espagnol, je comprenais rien du tout. Quand tu vois que tu parles pas la même langue, pourquoi t'insistes? Je sais pas, il me disait pequeño, l'écran. Bah oui, c'est plus petit, mais je comprends pas trop. Là, on est chez Zara Home. On regarde pour Hugo et accessoirement, on cherche un cadeau pour mon père. Pour notre père, son anniversaire bientôt. On a trouvé un truc, mais on fait le tour. Déception pour Hugo. Lui, toi, t'es comme moi. Moi, aujourd'hui, j'avais pas ma taille nulle part aussi. Oui, et là, c'est pareil. Le pauvre. Bon, S, ça va pas. M, c'est trop petit. Et L, c'est immense. Donc, lui, il a essayé les trois. Il est dégoûté. Il y a des jours comme ça, mais. Sinon, on a trouvé le cadeau de papa. Ouais. On y a pris une belle petite doudoune toute fourrée.
Voilà, comme il en a pas. Allez, on garde le sourire. Donc on se retrouve bien plus tard, il est 20h30, enfin passé même. Là on a fini de manger, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama, regarder un petit peu les énergies, je verrai demain. Comme ça je vous montrerai les petits trucs que je me suis acheté. Ça c'est juste des colis que j'ai reçus aujourd'hui. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui, dimanche. On est fin de matinée, c'est 11h et des poussières. Et regardez, il y a une petite invitée derrière. Il y a Zozo qui est venue nous voir. Bon, pas nous, Bella elle est dehors. Faut pas exagérer, faut pas trop en demander. Elle fait sa petite balade matinale habituelle. Donc elle adore venir ici. On comprend pourquoi, c'est le paradis des jouets. Oh ma pupille. Donc là j'avais laissé ce que j'ai acheté hier, donc je vais vous montrer si vous voulez juste maintenant. Comme ça après je range tout et c'est nickel. Donc j'ai pas trouvé grand chose en fait hier. Je vous l'ai dit, c'est un peu la malédiction des tailles. Les rares trucs que j'ai trouvés, il y avait 4 trucs en particulier. Il n'y avait pas ma taille, nulle part. Et du coup, c'était pareil. Il y a des jours comme ça. Stradivarius, par contre, je me suis pris ce sac. Vous savez, je vous ai montré juste hier, justement, celui que je portais, là, le noir, que je vous ai montré à d'autres reprises, que j'aime trop et que j'arrête pas de porter, du coup. Mais ils ont d'autres modèles, et dont celui-ci. Donc, c'est une couleur... Alors, c'est ni une couleur chair, ni une couleur rose pâle, c'est un entre-deux. Chez Zara, j'ai cherché le pull que je portais en d'autres coloris, parce que je sais qu'il est en gris et en beige, un truc comme ça. Et j'aime trop ce pull, mais je voulais d'autres coloris. Et bien pareil, il n'y était pas du tout, donc c'est pas grave. Mais j'ai trouvé pratiquement le même, mais vraiment le même style à Mango. Surtout les manches, vous voyez, ça fait un peu chauve-souris. Et dans le même style chez Zara, oui, c'est le seul truc que j'ai pris avec le cadeau de mon père, c'est ce petit pull là. Voilà, et j'ai des perles partout. Enfin c'est tout, et après je suis allée donc chez Hunkmöller, je crois que j'ai vlogué aussi. J'aime trop cette boutique, j'ai l'impression d'être chez Victoria's Secret, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je trouve trop beau, c'est vraiment typiquement le genre de lingerie qu'on trouve à Victoria's Secret, et j'aime trop. Bon j'ai pas pris le bas parce qu'il n'y avait pas ma taille non plus, voilà, je vous dis la malédiction, il y a des journées comme ça. Et par contre je me suis pris un pyjama, je voulais m'en prendre, c'est ce que je cherchais. Et je suis trop contente, ils avaient un coupe-prix qui était trop beau en boutique. Et bon, j'ai un peu tout décapité en rendant, mais c'était hyper joli. Et en fait, c'est le haut et le bas, vous savez, mais c'est une matière vraiment très fluide, hyper douce, comme ça. Voilà, ça fait très Noël, comme ça, et on a le pantalon assorti. Et dernier truc, c'est juste 2 petits accessoires chez une boutique qui s'appelle Parfois, je sais pas si vous connaissez. Je pense qu'il y en a en France, et j'adore en fait, ils font plein d'accessoires, bagagerie, lunettes, sac à main, donc maroquinerie, bijoux. Et c'est hyper joli, c'est pas très cher et c'est vraiment très très joli. Donc moi j'ai pris une paire de boucles, j'aime trop, j'en cherchais des comme ça. Elles sont trop jolies, c'est vraiment des jolies paires de culture. Et vous voyez en fait, c'est pas complètement attaché derrière. Elles étaient 4,99€. Et je me suis pris un autre truc sur lequel j'ai flashé, c'est pas du tout... Bon, c'est pas le genre de truc que j'achète, mais là j'ai trop craqué et je sais que je vais le mettre. C'est ce petit bandeau comme ça. Et j'aime trop, je trouve que c'est vachement joli. Donc pas du tout avec ça, on est d'accord. C'est 9,99€. Voilà, c'est... Là je vous retrouve un petit peu plus tard, c'est 15h10 très précisément. Je suis devant mon armoire que je veux organiser, c'est-à-dire qu'en fait il me restait encore plein de petits tops, des t-shirts, quelques débardeurs essentiellement, parce qu'il faisait encore super beau, même jusqu'en novembre. Mais bon, là c'est fini, on a quand même des températures plus fraîches, donc je vais tout enlever, ça va me faire de la place. Donc voilà, le but c'est d'en enlever, de ranger ce qui est à côté ici. J'aime bien casser par couleur aussi, je sais, je suis un petit peu psycho sur les bords, mais j'aime bien quand c'est organisé. Donc c'est vraiment ce que je vais faire là, pendant que d'autres passent leur dimanche à dormir. Let's run away out of town and build a castle in the wild. You'll be the queen with a broken crown. We'll hide away out of sight as we revive. Donc ça, c'est les affaires d'été, ça va partir au rangement. Bon, au final, regardez-moi tout ça. C'est quand même pas trop mal, hein. Bon, finalement, j'ai retrouvé plein de trucs de l'année dernière. Enfin, la plupart des trucs, je les ai depuis des années. Mais c'est des trucs que j'adore, des déos. Genre, cette chemise-là,
elle est, c'est une des plus confortables que je possède. J'avais acheté à Londres il y a 2 ans et j'aime trop. On se retrouve bien plus tard parce qu'il est presque 21h et je suis déjà dans ma robe de chambre, mon pyjama, je suis douchée, démaquillée, prête à aller au lit quoi. C'est même pas 21h. Non mais je suis vraiment éclatée. On dirait que j'ai pleuré toute la journée alors que pas du tout. C'est juste qu'à mon avis je couve un bon gros rhume parce que à mon avis je pense que vous aussi, parce que je vois tout le monde malade autour de moi et jusqu'à maintenant je disais oh ça va et tout, je résiste et tout. T'as raison. Du coup cet après-midi, ben non, j'ai fait tout le rangement là jusqu'à 5h. Après on a fait des crêpes. C'était cool. Du coup j'ai mangé avec ça, j'ai pas mangé ce soir. Et après on a fait des papiers pour Hugo. Enfin voilà. Rien d'exceptionnel, mais un bon petit dimanche. C'est juste que là vraiment je sens que j'ai la crêpe qui me tombe dessus sur les branches. sur les branches aussi. Donc j'espère que ça va aller demain. J'ai une petite chirurgie en ambulatoire. Donc je pars toute la journée demain. C'est pour ça que j'ai enlevé le vernis et tout. Et il faut, en général, il faut pas être malade. Donc j'espère que ça ira. Pire des cas, je dormirai. Hein. C'est fait pour ça les salles de réveil. Enfin, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. C'est la routine. Je vais bien me reposer et ça va aller. C'est vraiment que dalle. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sachant que jeudi, j'ai un rendez-vous trop cool. J'ai trop hâte d'y être. Je vous dirai tout. Vous allez voir, j'essaye un truc. C'est trop sympa. Enfin, j'espère. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.